des métiers de la mode est un centre de formation qui a obtenu en fait une subvention de l'Europe, plus exactement le FEDERCTE. Notre objectif aujourd'hui, c'est de permettre tout simplement l'insertion et la mobilité par la formation régionale. Nous avons voulu nous investir dans ce projet pour répondre à deux objectifs. Le premier objectif, c'est Mayotte en Afrique, Mayotte partenaire de l'Afrique. Et le deuxième objectif, c'est en fait de permettre la coopération régionale à travers le développement économique. Nous avons sur le territoire maorais des partenaires malgaches et comoriens qui souhaitent être acteurs du développement économique de la région en travaillant en partenariat avec Mayotte. Le premier avantage pour Mayotte aujourd'hui, c'est que nous avons ce qu'on appelle un référentiel français qui est recherché sur le continent africain dans le marché donc de la mode et de l'esthétique cosmétique. Du côté de nos partenaires, ceux-ci ont les marchés, le marché régional qui peut être le marché africain, mais également des marchés internationaux à travers l'Europe et les États-Unis grâce à la GOA. Les prochaines étapes sont l'ouverture d'autres formations, tout d'abord en esthétique cosmétique parfumerie, mais également en sellerie nautique et par la suite la cordonnerie et la maroquinerie. Le FEDERCTE, à travers le projet Interreg, à travers cette subvention, nous soutient, certes financièrement, mais également dans la partie partenaire. Nous avons reçu pour ce projet 75% de la demande de financement, soit 1 024 830 et 84 centimes.